La Shekina, la Rua, oh la Rua, sois exalté, oh, oh. Jésus t'a appelé, tu es venu. Il a commandé la voix s'élever, Esprit de Dieu. Jésus t'a appelé, tu es venu. Il a commandé la voix s'élever, Esprit de Dieu. Semblable à toi, qui peut s'égaler à toi, qui peut se comparer à toi, personne dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Je te rends grâce en ce jour béni du vendredi 27 octobre 2017. Je te rends grâce en ce jour béni de mon troisième jour de jeûne à sec, sans manger, sans boire, jeûne à prière pour les plus forts et pour ceux qui vont me suivre à haut, pour les plus forts qui le feront comme moi. Et les moins forts à haut, trois jours à haut, mais les plus faibles aussi, pour ceux qui monteront à minuit et descendront à 18h depuis les trois jours, le mercredi 25, hier jeudi 26 et aujourd'hui vendredi 27 octobre 2017. Je veux te rendre toute la gloire. Permets-moi, Éternel, d'être utilisé, équipé par toi pour faire du bien à ton peuple. Bénis ton peuple et glorifie ton Saint-Nom. Je soumets toutes choses à ton autorité. Je soumets toutes choses à ta vérité. Je soumets toutes choses à ta volonté. Ô Seigneur, fais taire les voix ennemies, les ondes négatives et glorifie ton Saint-Nom. Manifeste ta grandeur. Bénis tous les étudiants de la formation de paracommando, ô Seigneur. Bénis tous les étudiants, tous ceux qui nous suivent de façon visuelle, de façon audible. Manifeste ta grandeur de près ou de loin. Bénis ceux qui nous suivent actuellement et ceux qui nous suivront plus tard. Que toute la gloire te revienne parce que tu es fidèle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je ferme les portes à l'ennemi et je les ouvre à ta gloire. Seigneur, délivre, guéris, bénis et sauve. Fais-nous du bien encore. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. J'ai prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom à tous ceux qui nous prennent en marche, à tous ceux qui nous prendront en marche plus tard, surtout à ceux qui nous ont pris en marche dès le départ. Je vois Ange Olivier Yassi, sois béni. Je vois Christelle Eumann depuis la Belgique, sois béni. Je vois Fatima Loum, comment va toute la famille à Trècheville? Sans oublier Papa Loum et Maman Loum et tous les enfants Loum, soyez bénis. Pas comme Dignon, mon neveu, soyez bénis, la grâce de Dieu avec vous. Comment utiliser son autorité spirituelle en Christ pour assujettir, dominer, pour diriger, pour déplacer, pour confondre les ennemis, pour redresser, pour replanter, pour rebâtir. Nous allons parler de ça. Soyez disponibles et disposés. Commencez à partager la vidéo. Invitez vos frères et vos amis. Nous allons adorer Dieu. Et nous allons commencer. Acclamons-le. La roue est. La roue est. La roue est. Je veux t'aimer, Saint-Esprit. Je veux t'adorer. Je veux te contempler. Je veux t'élever.
l'Esprit consolateur. Venez, venez adorer le Seigneur avec moi. Bonne arrivée au bain Olivier. Shalom à toi, shalom à vous. Roland Béni Kipré, révérend prophète des nations, sois béni homme de Dieu. Merci de nous suivre. Merci de nous encadrer. De par ton soutien et de ton amour, la main de Dieu est sur toi et ton ministère. Shalom, shalom. Nous allons commencer notre enseignement juste après l'introduction par ce chant d'adoration. La roue, en hébreu, qui signifie l'Esprit de Dieu. Shalom, shalom, bonne arrivée, Salomon Denis, révérend de Dieu, qui nous encadre toujours de son amour et qui nous suit, qui nous assiste. Sois béni, homme de Dieu. Que Dieu bénisse ta vie, ton foyer et ton ministère. Invitez beaucoup d'hommes, shalom, 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 soyez bénis, la main de Dieu est sur vous. Partagez la vidéo, invitez beaucoup d'hommes, la main de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est là, soyez bénis. Viviana Keshi, ma fille depuis Crashville. Shalom, papa t'aime de tout son cœur. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. La grâce de Dieu est avec vous. Soyez béni au nom de Jésus. Shalom, shalom. Mes enfants ne font que venir. Mes fils spirituels, mes fils. Je vois encore Kwadjo Christelle depuis le Gabon. Sois béni, ma fille. Papa t'aime. Papa t'aime de tout son cœur. Comme il aime tous ses enfants d'ailleurs, d'ici. Soyez bénis. La main du Seigneur est avec vous tous. La grâce de Dieu est avec vous. Comment utiliser son autorité spirituelle? Qu'est-ce que l'autorité spirituelle? Comment l'utiliser? Pourquoi l'utiliser? Nous allons parler de ça. Commencez à inviter vos amis. Commencez à partager la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à la formation de paracommando de Jésus. Paracommando militaire, paracommando gendarme, paracommando policier, paracommando guerrier de Jésus. Shalom, shalom à vous, soyez bénis. Préparez-vous, nous sommes dans 3 jours de jeûne à 7, sans manger, sans boire pour les plus forts. Sans manger, sans boire pour les plus forts. À haut pour les moins forts. Et monter, descendre pour les plus faibles. Soyez disposés, Dieu va nous faire du bien. La grâce de Dieu avec vous. Ma fille Kwadjo Christelle dit shalom, papa, amen, papa, je t'aime aussi, soyez bénis. Je vous aime, vous tous révérends qui nous assistez depuis le début de la formation. Ça fait un mois, une semaine que moi je jeûne 3 jours, le mercredi, jeudi, vendredi, sans manger, sans boire, à 7. Ça fait un mois pour les autres. Il y a d'autres qui ont 3 jours à haut, 3 jours à 7 comme moi et 3 jours montée, descente. Je vous disais, un grand frère de mon quartier qui s'appelait Didier, sur les réseaux sociaux, Didier Berni, mais de son vrai nom, Didier Biatchon, m'a dit, j'ai fait 2 jours. Ça m'a fait plaisir de voir un grand frère jeûner. Soyez bénis. Séverin Edo, bonne arrivée, fils du prophète Neye Roméo, le révérend Neye Roméo, prophète des nations, son fils Séverin Edo, bonne arrivée. Laxon Moalé, sois béni. Florence Ney. Nemtin, sois béni, bonne arrivée. Juste après ce chant, je le promets, nous allons commencer. Chantons et adorons le Seigneur avec ce cantique en hébreu qui dit Raou, la roua qui signifie de façon claire en hébreu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Soyez béni. Juste après ce chant, nous allons commencer. Invitez beaucoup d'hommes et partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Pour faire du bien. Après j'ai 3000 convertis, Esprit de Dieu. La roue. Acclamons-le. La roue. La roue. Restez accrochés, ce message sera puissant. Ce message sera fort. Il est divinement inspiré de Dieu. Il va vous faire du bien. Ma fille Viviane Akeshi dit, elle dit amen, amen. Nous t'aimons très fort. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bisous.
et trois cœurs. Je vous aime, mes enfants. Le fils du prophète Roméo Néyé, le révérend prophète Roméo Néyé, son fils Séverin de Diamène le Vieux. Shalom. Juste après ce chant, nous allons commencer. L'esprit consolateur, la Shekinah, la Ruae, oh la Ruae, sois exalté, oh oh oh, Jésus t'a appelé. Tu es venu, il a commandé, Lazare s'est levé, Esprit de Dieu. Chantons, chantons, adorons le Seigneur. Jésus t'a appelé, il t'a appelé, il t'a appelé, pendant que Ginette somplait, ma fille de gloire nous rejoint. Si tu m'entends, dis gloire à Jésus, dis shalom, dis amen papa. Esprit de Dieu, la Ruae, la Ruae, la Ruae. Garde la parole de Dieu dans le plus précieux, le plus profond de ton cœur. La parole de Dieu te bénira, elle t'assurera des trésors inestimable, inexprimable, et un confort, une paix, un bien-être. Gloire à Jésus. Nous allons commencer notre enseignement pendant que Ginette son pays nous rejoint. Si elle m'entend, ma fille, elle dit amen. Nyali Kater, bonne arrivée. Firmé Akeshi, regarde encore. Firmé Akeshi, tu ne m'as pas dit que tu es le frère de mes enfants Akeshi à Trècheville, papa Akeshi. C'est hier, ils m'ont dit ça à la prière. Bonne arrivée, on va commencer à causer. Puisque maintenant, ils m'ont dit, Firmé Akeshi, sois béni, on va commencer à causer. On dit, tu es en Tunisie ou au Maroc. C'est bien sûr dans les pays maghrébiens. Sois béni, la grâce de Dieu avec toi. J'ignorais que tu étais le frère. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, le leader de l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, le leader du ministère des apôtres des nations et le leader des fils du lion de la tribu de Juda. Je suis en Côte d'Ivoire, précisément à la capitale économique, Abidjan, et pour le moment, Makori Ramblin. La main du Seigneur est sur vous. Je suis ici pour la formation des paracommandos de Jésus. J'entends par paracommandos des hommes de feu, des hommes fous de Jésus, des hommes pleins de zèle, pleins d'amour de Jésus, des militaires, des soldats, des gendarmes, des paracommandos de Jésus. Voilà, des frères d'âmes. L'apôtre Paul dit à Timothée, prends ta part de souffrance comme un véritable soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 3, prends ta part de souffrance comme véritable soldat de Jésus-Christ. Et nous, si nous sommes les soldats, ça fait près de un mois que je suis en train d'enseigner et nous jeûnons tous les mercredis, jeudi, vendredi, pendant un mois. Moi, j'ai commencé pendant un mois et une semaine parce que le leader est celui qui donne l'exemple. Et j'ai donné l'exemple en jeûnant 3 jours sans manger, sans boire, tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis, sans manger, sans boire. Aucune nourriture, aucune goutte d'eau. Il y a certains qui me suivent là-dedans. Je les appelle les chrétiens forts. Pour moi, ça fait un mois, une semaine. Pour eux, ça fait un mois. Et il y a d'autres qui font un mois à eau. C'est-à-dire ils ne boivent uniquement que de l'eau pendant ces trois jours, mercredi, jeudi, vendredi. Et il y a d'autres que j'appelle les chrétiens faibles qui montent et qui descendent à 18 heures. Tout compte fait, nous sommes dans l'armée de Dieu, à chacun sa force. À chacun son grade, à chacun son énergie, à chacun la puissance de Dieu, la manifestation de la plénitude en lui. Ce matin, je viens pour vous enseigner sur comment utiliser son autorité spirituelle. Comment utiliser son autorité spirituelle. Dis à ton voisin, comment utiliser son autorité spirituelle. Comment utiliser son autorité spirituelle. Et le passage que nous allons utiliser est Matthieu.
Matthieu chapitre 4, 1 à 11. Tout le monde prend sa Bible et tout le monde écoute. Matthieu chapitre 4, 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, 1 à 11. Matthieu chapitre 4, 1 à 11. Je lis. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable s'approcha de lui. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'amena à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Matthieu chapitre 4, nous sommes au verset 8. « Le diable l'amena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour l'adorer. » Retenons bien le verset 10 qui va suivre. Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, va-t'en, Satan. » Est-ce que quelqu'un peut dire, « Va-t'en, Satan. » Est-ce que quelqu'un qui me comprend peut dire, « Va-t'en, Satan. » Ou « Arrière de moi, Satan. » « Va-t'en, Satan. » Car l'Écriture déclare, « Adore le Seigneur ton Dieu et serre-le lui seul. » Le verset 11, qui est très important aussi, « Cette fois, le diable le laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Mon thème de ce vendredi 27 octobre 2017, c'est « Comment utiliser son autorité spirituelle en Christ ?» Comment utiliser son autorité spirituelle en Christ ? Et qu'est-ce qu'une autorité spirituelle en Christ ? L'autorité spirituelle, le Saint-Esprit m'a réveillé ce matin. L'autorité spirituelle, c'est la capacité, retenez bien, c'est la capacité, le droit et le pouvoir légal et absolu de pouvoir maîtriser, assujettir et diriger les choses, les événements et les personnes ou autres sur ordre, mandat et dépôt divin. Il ne m'est pas pénible de vous répéter. Je répète, qu'est-ce que l'autorité spirituelle? Quand dit-on qu'il y a autorité spirituelle divine en Christ? L'autorité spirituelle, c'est la capacité, le droit et le pouvoir légal et absolu de pouvoir maîtriser, assujettir, dominer et diriger les choses, virgule, les événements ou les personnes et autres, etc., etc., sous l'ordre, le mandat et le dépôt divin. Alléluia. Les chrétiens ont l'onction dans leur vie. Les chrétiens ont la parole de Dieu dans leur vie. Les chrétiens ont la roue, comme le chant le dit en hébreu, qui veut dire le Saint-Esprit dans leur vie. Les chrétiens ont tout, ils ont le sang de Jésus. Mais ce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas utiliser leur autorité spirituelle. Car avoir l'esprit, avoir la parole, avoir l'onction, avoir le sang de Jésus, avoir le nom de Jésus appliqué sur notre front, n'est pas la dernière des choses que nous devons savoir. Nous devons savoir que nous avons une autorité en Christ que nous devons utiliser, une autorité en Christ que nous devons maîtriser. Voilà, la Bible nous dit, en Luc chapitre 9, le verset 1, que Jésus a prié toute la nuit et il a pris 12 de ses disciples qu'il a nommés apôtres. La Bible dit clairement, il leur donna le pouvoir et l'autorité. Retenez bien, il leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser toutes sortes de démons et de guérir toutes sortes de maladies. Luc chapitre 9, le verset 1. Vous voyez qu'il ne leur donne pas seulement le pouvoir, mais aussi l'autorité. Nous voyons l'autorité se manifester dans l'armée, selon les hiérarchies de l'armée. Nous voyons les supérieurs donner des ordres aux subalternes, aux sous-officiers, officiers de rang, simples officiers. Et nous voyons que dans l'armée terrestre, il y a des commandements et des commandements inférieurs. Un général est au-dessus d'un officier. Un officier au-dessus d'un soldat de rang.
si je peux m'exprimer ainsi. Et les chrétiens n'utilisent pas beaucoup leur autorité spirituelle. Les chrétiens ont peut-être peur de l'utiliser, ou peut-être ils n'ont pas conscience qu'eux-mêmes ils ont une autorité divine et qu'eux-mêmes sont une autorité divine. Nous voyons Jésus en Matthieu 28, il dit « Tout pouvoir et toute autorité m'ont été donnés par le Père dans le ciel et sur la terre. N'ayez plus peur, allez auprès des gens de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit et croyez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toute autorité m'ont été donnée. » La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20, « Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. » C'est vrai, vous avez la Bible, c'est vrai, vous la mémorisez, vous la connaissez par cœur, vous connaissez les 10 commandements par cœur. Mais vous devez savoir que le royaume de Dieu dans lequel vous êtes, c'est un royaume qui ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Dans d'autres versions, en démonstration de puissance. L'apôtre Paul disait en 1 Timothée chapitre 2, « Ma prédication ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance convaincante du Saint-Esprit. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que si vous êtes converti à Christ, sur la base de la parole simple, avec le langage humain, vous pourrez abandonner le Seigneur à la moindre tentation, à la moindre épreuve. Lorsque l'épreuve va venir, vous allez l'abandonner. Mais si vous êtes converti par puissance, vous avez le sida, Jésus vous a guéri. Vous voyez ça? Vous voyez des aveugles voir. Vous voyez Jésus ressusciter les morts. Si votre conversion est basée sur un témoignage de miracle, de puissance, votre foi est encore enracinée en Christ. Votre foi est solide. Vous vous demandez pourquoi les premiers chrétiens n'ont pas renoncé à Christ. Bien vrai qu'il y avait le péril, il y avait l'épée, il y avait la mort, il y avait le feu. On a scié d'autres, on les a donnés aux lions pour les manger. Pourquoi ils n'ont pas abandonné la foi? Parce que leur foi était solide. Elle n'était pas basée sur la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Leur foi était convaincante. Pourquoi? Parce que ce que Dieu avait utilisé pour les convertir était puissant. Vous imaginez les gens qui ont vu Lazare pourri, mort depuis 4 jours. Les gens qui l'ont vu ressusciter, est-ce que quelqu'un peut les amener à ne pas croire en Jésus? La preuve, la Bible dit que quand Jésus rentrait à Jérusalem, beaucoup d'hommes étaient venus l'accueillir. Ils avaient jeté des pagnes, leurs vêtements à terre, des rameaux, des tissus, des étoffes à terre pour que Jésus et son âne puissent passer là-dessus. L'âne sur le... Et la Bible disait que la plupart de la foule qui criait faisait partie de ceux qui l'avaient vu ramener Lazare de la mort. Ceux qui l'avaient vu ramener Lazare de la mort à la vie. Une fois, un homme pourri depuis 4 jours qui revient à la vie. Comment tu peux venir me dire, tu vas me tuer, puis elle laisser Jésus. Tu vas me brûler, ou bien me donner aux animaux. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, la foi des gens ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur la puissance convaincante. Une démonstration force. Leur foi reposait sur la puissance de Dieu. Vous devez utiliser votre autorité. Vous devez user de votre autorité. Car l'autorité spirituelle, l'autorité divine en Christ, est la capacité, le droit, le pouvoir légal et absolu de pouvoir maîtriser, je dis bien maîtriser, assujettir, dominer et diriger les choses, virgule, les événements ou les personnes ou autres sous un ordre, un mandat, un dépôt divin. Le dépôt divin est du Saint-Esprit. Ça vient de Dieu. L'autorité spirituelle, l'autorité divine, l'autorité vient de Dieu. Luc chapitre 9, le verset 1, nous le démontre. Toute autorité vient de Dieu. La Bible dit, après avoir prié, Jésus prit 12 de ses disciples qu'il nomma apôtres et leur donna. Qui donna? C'est Jésus. Ne vous trompez pas. L'autorité divine vient du Christ. L'autorité divine vient de Dieu. Ça vient de Jésus. Et cette autorité est la présence du Saint-Esprit en nous. Nous devons utiliser cette autorité divine pour la gloire de Dieu et par sa grâce. Et la Bible dit en Luc 9, 1, Jésus leur donna le pouvoir et l'autorité. De faire quoi? Le pouvoir et l'autorité sur toutes sortes de démons, sur toutes sortes d'esprits mauvais, sur toutes sortes de maladies, sur toutes sortes de situations. C'est pourquoi nous pouvons voir en Luc chapitre 10, les disciples revenir pleins de joie. Luc chapitre 10, le verset 17. Maître, nous sommes contents car
Même les démons nous étaient soumis quand nous leur ordonnons de sortir en ton nom. Pourquoi? Parce qu'en Luc 9, 1, il leur avait donné le pouvoir et l'autorité de les menacer, de les détruire, de les chasser. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc chapitre 10, verset 18. Et le verset 19, il dit, voici, je vous ai donné l'autorité. Qui leur a donné? C'est Jésus. Ne l'oubliez jamais. L'autorité est divine. Le pouvoir est divin. Il vient de Christ. Il vient de Jésus. Il vient du Saint-Esprit. Il vient du Père céleste, créateur des lumières célestes. L'autorité vient de Dieu. L'autorité ne vient pas d'un marabout ni d'un féticheur. L'autorité vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. Jésus leur donna le pouvoir et l'autorité. Luc chapitre 9, verset 1. Vous voyez, non? L'autorité vient de Dieu. Vous devez l'exercer. Vous devez l'utiliser. Il n'est pas suffisant de connaître Jésus, de connaître Dieu, d'avoir son esprit, de réciter la Bible seulement jour et nuit, de réciter comme un perroquet. Mais nous avons un dépôt, un mandat divin, une autorité capable d'assujettir la nature, capable d'assujettir la race humaine, capable de dominer les événements, les circonstances, comme Jésus dans la barque. Jésus dormait avec ses disciples réveillés. Le vent s'est levé. L'eau a commencé à s'agiter, se jeter dans la barque. Eux, ils ont crié, au secours, maître, nous mourons. Mais lui, il a dit, où est votre foi? Où est votre autorité divine? Où est votre foi? La Bible dit, à son réveil, il menaça. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Le chrétien n'est pas conscient de son autorité. Ou le chrétien est aveuglé. Il n'use pas de son autorité. Il n'utilise pas son autorité. Aujourd'hui, vous devez savoir que vous êtes non seulement une autorité divine, car la plaque du corps auquel vous appartenez, au cœur céleste, au cœur divin, au corps divin, vous appartenez à l'Éternel des armées. Cette plaque est le Saint-Esprit que Dieu a mis sur vous comme galon. Et Jésus est la marque imprimée sur votre front. Vous appartenez au roi des rois et du seigneur des seigneurs. Selon Apocalypse chapitre 19, la Bible dit, les armées du ciel l'accompagnaient, montées sur des chevaux blancs, habillées d'un fin tissu de lin blanc et pur, et de sa bouche sortait une épée aiguë. Vous devez comprendre que vous êtes une autorité d'abord, vous, et vous devez l'utiliser. Vous devez l'utiliser à bon escient pour la gloire de Dieu. Donc l'autorité est la capacité, le droit, le pouvoir légal de pouvoir maîtriser les situations, les circonstances. Voilà Josué. La Bible nous dit que pendant que Josué faisait la guerre, le soleil allait tomber et la nuit, on ne pouvait plus se voir pour se battre. On ne pouvait plus se voir pour se tuer. Alors Josué a dit au soleil, immobilise-toi, bloque-toi. Et la Bible dit le soleil a obéi. Vous savez, dans le système solaire, le soleil est la plus grosse planète, le plus grand astre. Et la Terre fait partie des plus petites planètes du système solaire. Même la planète Jupiter est plus grosse que la Terre. Mais comment lui, qui est insignifiant comme un grain de sable, il peut arrêter le soleil? Vous avez une autorité divine en vous que vous devez utiliser. C'est vrai, vous connaissez Dieu. C'est vrai, vous avez le Saint-Esprit. C'est vrai, Jésus est ressuscité pour vous. Mais vous devez utiliser cette capacité divine qui est en vous, qu'on appelle l'onction. L'utiliser, c'est manifester son autorité. À quoi ça sert d'avoir les galons de général d'armée et ne pas pouvoir donner de l'ordre à un simple lieutenant, un simple capitaine, un simple soldat de rang? À quoi ça te sert d'avoir tous ces grades? L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, le sang de Jésus, le nom de Jésus. À quoi ça te sert d'avoir le feu du Saint-Esprit si tu ne sais pas l'utiliser? C'est de ça que nous allons parler. L'autorité spirituelle, comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser? Pour ceux qui nous prennent en marche, l'autorité spirituelle, c'est la capacité, le droit, le pouvoir légal et absolu de pouvoir maîtriser, virgule, de pouvoir assujettir, virgule, de pouvoir dominer, virgule, et de pouvoir diriger les choses, virgule, de pouvoir diriger les événements comme les Josué qui arrêtent. Comment on appelle ça? Le soleil, parce qu'il doit se battre et la nuit va les empêcher de se reconnaître. Il a dit au soleil de se mobiliser. Le soleil a obéi à Jésus qui maîtrise la nature. Il dit au vent, calme-toi, à la mer, silence. Et même les éléments de la nature lui ont obéi à Jésus qui maîtrise. Comment on appelle ça? Même les plantes. Il a dit au figuier,
personne ne mangera de ton fruit. L'arbre est devenu sec. Cette autorité, nous devons l'utiliser. Quand les chrétiens lui ont demandé, les disciples lui ont dit, maître, comment tu as fait? Il dit, si vous avez la foi de Dieu, vous pourrez faire ça, vous aussi. Vous pourrez faire. Et en Jean chapitre 14, il dit, celui qui croit en moi fera aussi. Ma seka baba. Si nous comprenons bien, celui qui croit en moi, Jésus, Jean chapitre 14, le verset 12, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait et l'on fera de plus grande. Or, la Bible dit, jusqu'à présent, personne n'a dépassé les œuvres du Christ. Et le livre de Jean 21 dit, si on voulait écrire tout ce qu'il a fait, aucun livre ne pourrait les contenir, sinon pourrait contenir ce qu'il a fait. Mais Jésus nous assure, et sa parole est la vérité. Si vous croyez en moi, moi Jésus, vous ferez aussi ce que j'ai fait. Vous marcherez sur l'eau, vous ressusciterez vos Lazare morts pourris depuis 4 jours. Il n'est pas étonnant de voir les eaux d'Élysée qui ont servi Jésus, le roi des rois, parce que Jésus est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Élysée qui a servi Jésus, le roi des rois, il n'est pas étonnant de voir ses eaux ressuscitées, les eaux de son cadavre ressuscitées, un homme mort qui s'est redressé dès que son corps mort a touché seulement le squelette d'Élysée qui a servi. Vous avez une potentialité en vous, mais vous ne l'utilisez pas parce que vous avez peur, ou soit parce que vous êtes ignorant ou aveuglé par le diable. Un capitaine qui a peur de donner des ordres, il n'est plus capitaine. Un général qui a peur de donner des ordres, il n'est plus général. Je vous ai dit, 2 Timothée chapitre 2, le verset 3, l'apôtre Paul dit à Timothée, prends ta part de soldat, de souffrance, comme un véritable soldat. Vous êtes dans l'armée, vous devez user de votre rang, de votre droit, de votre autorité. La Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui ont cru en Jésus, à tous ceux qui ont cru en Jésus, à tous ceux qui lui ont donné leur vie, il leur a donné le droit, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné le droit, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Vous avez le droit, mon frère, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité d'user de votre droit en tant qu'enfant de Dieu, en tant que soldat de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu. La chose qui aiguise l'autorité, c'est la vie de jeûne et de prière, la vie de jeûne et de consécration. Ça te fait prendre conscience de ton autorité. Jésus dit, pendant que je suis avec eux, ils ne peuvent pas jeûner, mais un jour le marié leur sera enlevé, et quand ces jours seront là, ils jeûneront. C'est le temps de jeûner et prier. Les Enoch qui ont été enlevés depuis Adam et Ève, Enoch qui n'a pas connu la mort, c'était des hommes de communion avec Dieu, des hommes de prière, des hommes de ferveur, des hommes d'autorité. Les Élie qui n'a pas connu la mort, c'était des hommes d'autorité, des hommes de puissance. Un seul homme qui peut dire, il ne pleuvra pas, et il ne pleut pas pendant 3 ans et demi. Il revient, il dit, la pluie va tomber, la pluie revient. C'est des hommes d'autorité. Ils étaient toujours sur la montagne en haut. Ils ont marché en communion avec Dieu. Ils ont usé de leurs droits et de leur autorité. Il dit, sinon à ma parole, tant que moi, Élie, je ne parle pas, la pluie ne peut pas tomber. La pluie ne peut pas tomber tant que moi, Élie, je ne parle pas. Et tant que moi, Élie, je ne parle pas, la pluie ne peut pas tomber. Voilà, des hommes d'autorité, de puissance. La Bible dit, Jésus chassait les démons avec autorité, avec pouvoir. La Bible dit, il est rentré dans une synagogue. Synagogue, c'est l'appellation aujourd'hui de l'église. Le lieu où les juifs se réunissaient pour le sabbat, pour écouter la parole, pour se réjouir devant Yahweh, Adonai, leur Dieu, le Dieu qui les a fait sortir par sa main droite à travers Moïse, la synagogue. Quand Jésus est rentré, un homme possédé d'un démon a crié, « Qui as-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Es-tu venu pour nous punir avant le moment fixé? Es-tu venu pour nous punir? Hein? S'il te plaît, ne me tourmente pas. » Jésus a parlé avec autorité. Vous voyez, la Bible dit, il a parlé avec autorité. « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit a secoué violemment cet homme et en est sorti de lui. Et la Bible dit, tout le monde s'étonnait en disant quoi? Qu'est-ce ce nouvel enseignement? Qui est cet homme? Il parle même avec autorité. Il enseigne avec autorité aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Avec autorité. Ce qui te manque, c'est l'autorité. La situation perdue, le vent souffle.
contre toi. L'eau veut rentrer dans ta bague. Il te manque l'autorité. Quand Jésus s'est réveillé, il a dit, il n'a pas dit où est la parole. Il n'a pas dit où est le Saint-Esprit. Il dit où est votre foi. La foi est similaire à l'autorité. Où est votre autorité? Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de me déranger. Vous n'avez même pas besoin de me réveiller. Si vous usez de votre autorité, le vent allait se calmer. C'est pourquoi j'ai dit, moi Jésus, j'ai dit en Jean 14, 12, si vous croyez, vous ferez les mêmes choses que j'ai fait. Vous allez multiplier le pain. Vous imaginez un pasteur, une servante de Dieu, un oint de Dieu, une oint de Dieu, organise un programme au stade et que après le programme, il prend un pain, il remercie Dieu. Et quand il dépose le pain, tout le stade a du pain. Du pain viande, du pain poisson, viande hachée, un brochette, un, comment on appelle ça, mayonnaise dedans. Et tout le monde mange et puis il reste. Jésus dit, vous devez faire ça. Il n'a pas dit, essayez de faire, vous devez faire. On doit arriver à un niveau où la bouteille de gaz ne finit plus. Où le courant est toujours payé, l'eau est toujours payée. Les enfants vont à l'école. Arriver à un moment où on disparaît comme Philippe. En Samarie qui a disparu après avoir baptisé le nuque éthiopien. Des chrétiens sans visa, mais qui sont à tout bout du monde entier. Ma fille, tu es en France, comme ma fille Smith qui est en France. Et ma fille Léocadie Canon, épouse Smith, qui est là, connectée, qui a dit Amen. Elle est aux États-Unis. Ma fille, elle te salue demain. Puis demain, tu vas. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie. Le christianisme, la puissance de Dieu est au-dessus de la magie et de la sorcellerie. Vous ne trouvez pas étonnant de voir les magiciens disparaître. Vous ne trouvez pas étonnant de les voir. On les met dans des cercueils. Quand on ouvre, le cercueil est vide. Après, on referme, ils apparaissent. Ça ne vous étonne pas. Mais c'est pour les chrétiens, là. C'est ça qui vous étonne. On est arrivé à un niveau où les yeux doivent s'ouvrir. Les yeux des aveugles doivent s'ouvrir. Les muets doivent parler. Les sourds doivent entendre. On est arrivé à un niveau où les morts doivent ressusciter. Les pieds coupés doivent pousser. Les mains coupées doivent pousser. Les morts, quelle que soit l'année, Dieu nous dirige devant un caveau familial, devant un tombeau. On dit, toi là, lève-toi, tu dois continuer ta mission. Ce n'est pas Dieu qui t'a tué, c'était les sorciers. Relève-toi. On est arrivé à un moment où la main de Dieu doit prendre l'avion, aller-retour, sans qu'il y ait crash. Le bateau aller-retour, sans qu'il y ait écoulement. Le train aller-retour, sans qu'il y ait dérape du train sur les rails. Comment on appelle ça? La voiture sans qu'il y ait accident. Il est arrivé un moment où c'est nous-mêmes maintenant on doit dire à Dieu, on est fatigué de vivre, on est vieux. Seigneur, il faut nous prendre comme Siméon. On est fatigué. Seigneur, prends-nous maintenant. On veut partir au ciel. Ce n'est pas la mort subite, la mort prématurée, la mort méditée par l'essence des ténèbres qui doivent nous prendre. On est des petits dieux, mais on n'utilise pas notre autorité. Notre autorité est là, mais on a peur. C'est comme un policier, les bandits le gifle, les bandits lui arrache ses grattes, ses gants, et puis il est là, il pleure. Oh, il a un pistolet. La seule arme qui est capable de dompter tous ces gens qui sont en train de l'attaquer. Les sorciers sont en train de tuer les gens dans votre famille parce que vous n'usez pas de votre droit. Vous n'usez pas de votre autorité. Vous avez l'autorité. Quand Jésus s'est levé, il dit, où est votre foi? Où est votre foi? Je pose la question à quelqu'un ici. Où tu as mis ta foi? Où tu as mis ta foi? Ta foi, elle est où? Vous m'avez vu ressusciter les morts. Vous m'avez vu ressusciter le fils de la veuve de Naïl. Vous m'avez vu ressusciter la fille de Jairus. Vous m'avez vu multiplier le pain. Vous m'avez vu appeler Lazare hors du tombeau qui était pourri depuis 4 jours. Mais dès que le petit vent, la petite mère a commencé à s'agiter, vous commencez à crier au secours, maître, nous mourons. Où est votre foi? Où est votre foi? J'ai fait semblant, car moi, Dieu, je ne sommeille ni ne dors. Il y a un psaume qui dit que je ne sommeille ni ne dors. Je faisais semblant, je vous ai mis à l'épreuve, comme un professeur qui dit aujourd'hui oral, comme un professeur qui dit aujourd'hui devoir, aujourd'hui examen et concours. Voilà, donc j'étais en train de vous observer. Vous avez tout vu, des miracles, des signes, des prodiges. J'ai maudit le figuier, il est devenu tout sec. J'ai pris 5 pains pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il y a eu 12 corbeilles en plus. J'ai pris encore du pain, j'ai nourri 4000 hommes. Vous avez vu tout cela, mais quand il y a petit danger, Vous criez au secours, Jésus où tu es? Mais je suis là, il faut que je vous éprouve. Moi-même Jésus, j'ai dit à l'apôtre Paul de dire à Timothée, quand vous lisez les épîtres aux Timothée, les lettres à Timothée, c'est moi qui ai dit à l'apôtre Paul de ne pas prendre quelqu'un, de ne pas se précipiter. Il n'a qu'à le mettre à l'épreuve, il n'a qu'à l'essayer pour voir si vraiment il vit dans la foi, si sa vie est rangée, s'il prend soin de sa famille, si sa vie est irréprochable. C'est moi qui ai dit à l'apôtre Paul de dire à Timothée de ne pas se précipiter. Alors moi aussi, il faut que je vous fasse passer les examens et concours. Il y a des moments, je ferai comme si je ne vous entends pas. Il y a des moments, je ferai comme si je dors. Il y a des moments, je ferai
ferai comme si je suis dans la BAC. Il y a des moments, je ferai comme si je suis dans la BAC, mais comme inexistant. Mais je vous vois, je vous entends, je connais votre faiblesse, je connais vos forces. J'ai dit dans le livre de Corinthiens, par l'apôtre Paul, je vous ai dit que je ne vais pas vous tenter au-delà de votre force. Si un danger arrive, vous le maîtriser. Si une situation mauvaise arrive, c'est parce que vous pouvez la dompter. C'était pour vous voir. C'était pour vous voir l'épreuve, c'est tout. Sinon, je suis avec vous. Je l'ai dit en Matthieu 28. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi vous avez peur de traverser la vallée de l'ombre de la mort? Mon serviteur David n'a pas eu peur. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, car l'Éternel est avec moi. Je suis le Dieu fidèle et véritable. Lisez Apocalypse 19, le verset 11. Le verset 11 dit, celui qui monte le cheval s'appelle fidèle et véritable. Le cheval blanc, c'est moi. Mes yeux flamboyaient comme du feu. Sur ma tête, il y a plusieurs couronnes, car j'ai remporté la victoire. Je suis revêtu d'un manteau trempé de sang. Je m'appelle la parole de Dieu. Les armées du ciel me suivent. Les anges accompagnent ceux qui montent dans leur vie. Les anges accompagnent ceux qui ont la parole, car je suis la parole de Dieu. L'épée a deux tranchants, c'est moi la parole vivante et efficace. Selon Hébreux 12, le verset 4. Hébreux 4, le verset 12. La parole est vivante et efficace, c'est de moi ça parle. Je suis vivant, je suis puissant, je ne vous abandonne pas et je ne vous abandonnerai jamais, mais je vous mettrai à l'épreuve. Je vais voir si vous avez la foi, si vous avez la confiance en moi. Vous devez user de votre autorité. Oui, Luc chapitre 9, verset 1 dit, j'ai rassemblé les disciples que j'ai nommés apôtres, mais je leur ai donné pouvoir et autorité de guérir toutes sortes de maladies et de chasser toutes sortes de démons. Le Seigneur est en train de vous parler à travers ma bouche. Ceux qui ont les yeux pour voir verront, ceux qui ont les oreilles pour entendre entendront, ceux qui ont une intelligence pour comprendre comprendront et un cœur pour croire, ils croiront. Écoutez, le Seigneur nous a donné le pouvoir et l'autorité. Si les magiciens disparaissent, si les magiciens ont évolué, pourquoi pas nous? C'est le temps de disparaître. On n'a plus besoin de visa. C'est le temps de ressusciter les morts. C'est le temps de guérir toutes sortes de maladies, de chasser toutes sortes de démons. C'est le temps de faire des exploits, des signes, des miracles et des prodiges. La Bible nous dit, une femme a dit à Élisée, mon mari était prophète, il est mort, il a laissé d'être. Et celui à qui nous devons est venu prendre mes enfants pour les faire des esclaves. Il dit, qu'as-tu à la maison? Un petit parfum. Il dit, ferme la porte, prends des récipients, en prends-en en assez, et tu en verseras, et tu verseras de ce contenu, de ce parfum, dans tous les récipients, au fur et à mesure qu'ils seront pleins. La femme a fait, ça a rempli tous les récipients. La Bible nous dit, quand elle a dit à son enfant, passe-moi encore un récipient, l'enfant dit, il n'y en a plus. On dit, l'huile a cessé de couler. Nous devons aider les veuves, les orphelins, les endettés, les chrétiens qui traversent les moments difficiles, ceux qui n'arrivent pas à payer leur maison, pas seulement avec de l'argent, mais avec l'autorité, la puissance. Jésus dit, j'ai pitié de ces gens. Ça fait 3 jours, ils me suivent, ils n'ont pas encore mangé. Où pourrons-nous trouver de la nourriture? A dit un chrétien à Jésus, dans cet endroit désert, où on peut trouver de la nourriture? Même avec 300 pièces d'argent, on ne peut pas trouver assez de pain pour nourrir cette foule. Car avant, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Ils étaient 5000 sans compter les femmes et les enfants. Vous imaginez 5000 hommes sans compter les femmes. Or, un homme pouvait marier avant 2 à 3 femmes, 4 à 5 femmes, 10 femmes. Maintenant, une femme peut accoucher 10 enfants elle seule, comme Jacob et ses femmes, Rachel et Léa, qui lui ont donné 12 garçons et une petite fille, Gina, Dina, leur petite sœur. Vous voyez, donc il y avait du monde, peut-être 50 000 à 100 000 personnes, mais Jésus les a donné à manger. La Bible dit, tous mangeaient et furent rassasiés. Acclamons le miracle de Dieu, acclamons le prodige de Dieu, acclamons l'autorité, la puissance de Dieu, le grand pouvoir de Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Et il dit, celui qui croit en lui, Jésus, en Jean chapitre 14, le verset 12, il fera aussi ce qu'il a fait. C'est le temps de nourrir les gens de façon surnaturelle. Même quand il y a la guerre, un chrétien ne doit pas avoir peur. Même quand il y a pénurie de courant, pénurie d'essence, pénurie d'aliments, pénurie, comme on appelle ça, délai. J'ai voulu dire, quand il y a toutes ces choses, le chrétien ne doit pas avoir peur. Il dit, courant vient. Puis là, le courant marche, il met son split, son climatiseur. Nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des surhommes. Nous sommes des extraterrestres. Extraterrestres veut dire habitants qui viennent d'une autre planète. Jésus dit en Jean chapitre 16, vous n'appartenez pas à ce monde.
Mon royaume aussi n'appartient pas au monde. Face à Pilate, il dit, je suis roi. Mon royaume n'appartient pas au monde. Si mon royaume appartenait au monde, mes serviteurs, les anges auront combattu. Pourquoi on ne m'attrape pas? Mais non, mon royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi vous vivez comme les humains de ce monde? Je suis malade, j'ai mouru. La sorcière a dit, elle va me tuer. Je souffre. Comment il est fait? Ça, c'est les paroles des habitants du monde. On ne se coiffe pas la nuit. On se lave pas la nuit. On balaye pas la nuit. On regarde pas dans le feu la nuit. On coupe pas les ongles la nuit. C'est quoi ça? On va pas au village, parce que c'est quoi, on ne mange pas ça, nous chez nous, voilà notre hôtel. L'apôtre Paul dit en Colossiens, dès qu'on est en Christ, on ne doit plus faire usage de ces choses, ça appartient aux hommes de ce monde, on n'est plus des hommes. 2 Corinthiens 5, 17, dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les hommes qui avaient peur, c'est passé en lui. L'homme qui était lié par la cigarette, le péché sexuel, l'ivrognerie, l'homme qui s'est tatoué, c'est passé. Toutes ces faiblesses-là sont passées. Maintenant, il est une nouvelle création. Il est devenu un petit Dieu. La Bible dit dans le psaume 84 ou 82, j'ai dit, vous êtes des dieux. Moi, Dieu, je déclare que vous êtes des dieux. Mais où est votre autorité de Dieu? L'autorité spirituelle, c'est la capacité, le droit, le pouvoir légal et absolu de pouvoir maîtriser, assujettir, dominer et diriger les choses, les événements, les personnes et autres, sous ordre, mandat et dépôt divin. Ça vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous qui a l'autorité. Il dit le Père, Jésus dit le Père a mis sur moi la marque de son autorité. Lorsqu'il a multiplié le pain et que les gens ont mangé, ils ont commencé à le suivre, ils voulaient faire de lui un roi. Il dit, vous me suivez pas parce que vous avez compris le sens de mes miracles, mais parce que vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte, mais travaillez pour celle qui dure et qui produit la vie éternelle. Celle sur laquelle le Père, Dieu, a mis sa marque de son autorité. Tu as la marque de l'autorité de Dieu sur toi. On ne peut pas te chasser d'une maison, même si tu n'as pas payé comme un mal. Tu ne dois pas mourir de faim. Tu dois être dans l'abondance. Tu dois être dans l'abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Face à mes adversaires, il dresse pour moi une table. Il oindue ma tête et ma coupe de bord. Sa houlette et son bâton. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Vous m'entendez? Tous les jours. Il n'a pas dit un jour on souffre. Tous les jours. La Bible dit Jésus s'est fait pauvre. 2 Corinthiens 8, 9. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et il dit en Jean 10, 10. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Vous ayez la vie en abondance. La coupe doit déborder dans ta maison. La coupe doit déborder dans ton ministère. La coupe de grâce, de bonheur, de bénédiction, de succès, de grâce, d'élévation. Cette coupe-là doit déborder dans ton foyer. Ça doit déborder dans ta vie de tous les jours. Les gens ne doivent pas te laisser en paix parce qu'il y a la solution. Toi, celui qui est la solution en toi. Les gens doivent pas te laisser en paix. La Bible dit les parents de Jésus venaient le prendre parce qu'ils n'avaient pas le temps de manger. Tous les jours, une foule était nombreuse devant lui. La Bible dit la foule qui partait et la foule qui venait était aussi nombreuse. Il y avait du monde. C'est toi qui es la solution du monde. Tu es le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui donnez le goût au monde. C'est à cause de vous que mon Père n'a pas encore détruit la terre. Quand il regarde la terre, il a la joie de regarder les habitants du monde. À cause de vous, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. C'est vous qui apportez la lumière. Vous êtes la référence de Dieu sur la terre. Où est votre autorité? Où est votre autorité? Jean chapitre 1 verset 12. À ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, il a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et en Luc 10, le verset 19, le passage est clair. Je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Mais où est ton autorité? Pourquoi le célibat te fatigue? J'ai dit l'autorité spirituelle, c'est la capacité de diriger les événements, toutes sortes d'événements, hein, toutes sortes d'événements. Mais attends, où est ton autorité? Quand le vent s'élève contre toi, où tu as mis ta foi? Quand il s'est levé, il dit, où est votre foi? Où est votre foi? Où est votre foi? Il n'a pas dit, où est votre Bible? Où est votre église? Qui est votre pasteur? Mais où est votre foi? Parce que si vous avez la foi, vous allez maîtriser cette situation. Vous allez maîtriser cette situation. Vous allez maîtriser cette situation avec tous les miracles que vous avez vus. Où est votre foi?
Demande à ton voisin où est ta foi. Demande à ton voisin où est ta foi. Demande à celui qui est là où est ta foi. Demande à ton voisin où est ta foi. Beaucoup de personnes nous prennent en marche. Prophète exaucé et tiré, mon fils, sois béni. Pasteur Gabriel Tikiko Gabriel, sois béni, révérend. Joël Edgagné, sois béni. Médecin Angois, fils du prophète Alain Nikes, pasteur, sois béni. Claude Céléré, mon frère depuis le quartier, sois béni. Léocadie, depuis les États-Unis, sois béni. Désiré Stoffer, depuis l'Angleterre ou la Suisse, en tout cas en Europe, sois béni, révérend. Léocadie, prononce lui dit amen, amen. William Ola J.I., révérend pasteur de gloire que j'aime de tout mon cœur. Il nous suit depuis les États-Unis ou l'Europe. Sois béni, révérend. Jean-Yves Kwadjo dit amen. Sois béni. Marlene Bledja, sois béni. Ma fille Christelle depuis le Gabon dit amen, amen, amen. Kwasi Blaise Kwaku nous regarde depuis la Côte d'Ivoire. Sois béni, révérend, que j'aime de tout mon cœur. Beraka, sois béni, ma fille de gloire. Ah, il y a encore Ange Allah, le responsable des commandos. Sois béni depuis la Côte d'Ivoire. Ange Kwasi, sois béni, ma fille de gloire. Papa t'aime de tout son cœur. Laetitia Kevin Kwasi, sois béni. Nous parlons d'autorité spirituelle. Vous chantez, vous priez à l'église, vous faites les veillées, les croisades, vous avez la Bible. Vous êtes baptisé, vous êtes même confirmé. Vous dites, vous avez la parole de Dieu, le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu, le feu. Tous les jours, vous brûlez le diable. Mais où est votre autorité? Où vous l'avez placée? Où vous l'avez placée? Luc chapitre 9, verset 1. Jésus rassembla les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser toutes sortes de démons et de guérir toutes sortes de maladies. Et voilà la preuve qu'ils ont manifesté leur autorité. Luc chapitre 10, le verset 17. Les disciples reviennent pleins de joie et disent au Seigneur, même les démons nous étaient soumis. Quand nous les commandons, commandons c'est quoi? Autorité. Tu ne peux pas commander si tu n'as pas autorité. Quand nous leur ordonnons en ton nom de sortir et ils sortent. Le verset 18, Luc 10, 17, ils sont venus faire le rapport. Le verset 18 dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Où sont passés ces chrétiens qui usent de leur autorité pour traumatiser le diable? Où vous êtes passés? L'église est remplie de chauffeurs de banc. L'église est remplie de brebis qui bêlent seulement, mais qui ne peuvent pas agir. Même les bœufs poursuivent des lions pour les cogner, pour les tuer. J'ai vu sur National Geographic des bœufs qui ont cogné des lions qui sont morts après les blessures. Le diable est le lion rugissant, cherchant qui dévorer. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, le diable rôde comme un lion. Il faut tes cornes, il faut ton autorité, il faut tes sabots pour lui donner un bon coup. Tu as la force du bœuf. Devant Dieu se trouvent quatre êtres vivants, un à la face d'un lion. Et à la face d'un veau, c'est l'enfant du taureau. Oui, tu fais partie des buffes. Tu dois utiliser tes cornes pour transpercer le diable. Mais où est ton autorité? Toi qui m'entends, où est ton autorité? Je dis, où est ton autorité? Le verset 17, ils ont fait leur rapport. D'abord, Luc chapitre 9, 1. Jésus leur donna pouvoir et autorité pour chasser toute maladie et guérir. Pour chasser tout démon et guérir toutes sortes de maladies. Même tu peux avoir l'autorité pour chasser les maladies. La Bible dit, Jésus allait chez Pierre. Il a trouvé la femme, la maman de la femme de Pierre. Ici, en bon français, on dit la belle-mère de Pierre. On dit qu'elle était au lit parce qu'elle était malade. La Bible dit quoi? Jésus a fait piqûre? Non. Jésus lui a donné comprimé à prendre? Non. On dit qu'il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Et aussitôt, elle s'éteint debout pour les servir. Quelle autorité, quelle puissance, quelle onction, quelle divinité se retrouvait en Christ? Il est Dieu, il est l'égal de Dieu. Lui et le Père sont un. Les pharisiens ont ramassé Caïn pour le lapider. Il dit, le Père et moi, on est un. Oh, acclamons la puissance de Dieu. En Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et cette autorité, je vous la donne. Je vous la confère. Je vous confère cette autorité. Église, ils étaient en prison. Ils ont prêché l'évangile dans Actes des Apôtres. La Bible dit, un ange a ouvert la prison. Toi, tu n'as même pas vu un ange. Tu n'as même pas vu un ange. Même pour voir un ange, maintenant, tu cries au secours. Un ange est venu, ils n'ont même pas paniqué. L'ange a ouvert la porte. Il dit, allez dans le temple. Allez annoncer la vie nouvelle. Allez annoncer le royaume des cieux. La Bible dit, ils ne sont pas tombés évanouis. Toi, tu as vu un ange, tu as tombé évanoui. Les anges étaient avec eux. Actes des Apôtres, chapitre 12. Ils ont tué Jacques.
Ils ont mis Pierre en prison. Un ange est venu, Pierre, lève-toi. Il a touché du côté, Pierre s'est levé. Il dit, mets ta ceinture, mets ton manteau, mets ta ceinture, porte tes sandales et suis-moi. Ils suivaient l'ange. Ils étaient les anges. Même quand Jésus a jeûné, regardez bien, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. On dit quand Jésus a jeûné, le passage qu'on a pris, je vais terminer avec ça. On dit les anges vinrent auprès de Jésus et se mit à le servir. Il n'a même pas commencé son ministère. Les anges commencent à causer à lui. Toi, où sont les anges? On dit, psaume 34, l'ange du Seigneur campe autour de ses fidèles pour les arracher du danger. Oh, où est ton ange? Tu l'as vu quand? Hein? Même en rêve, même d'autres n'ont pas encore vu les anges. Ça fait pitié. Où est ton autorité? Le président de la République, ses anges, c'est l'armée qui l'entoure. Quand tu veux le toucher, c'est les anges que tu vas toucher. Les anges, un à face de lion. Tu peux venir un à face de veau. Tu peux venir un à face de fils de l'homme, un à face d'aigle. Tu peux venir l'attaquer, tu peux venir le toucher. C'est comme un pasteur, il a des commandos. Quand il rentre dans les rangées, les commandos l'entourent. Quand un président est là, ou bien un député, un ministre, un maire, un responsable tel qu'on y a, le protocole, service protocolaire. Le protocolaire est là pour empêcher les gens de venir le toucher, de venir le toucher. Où est ton autorité? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Où sont les gens qui vont traumatiser le diable en cette fin du monde, en cette fin d'année, qui vont traumatiser Satan de leur village, de leur ville, de leur hameau, de leur quartier, de leur commune, de leur pays, de leur royaume, qui vont traumatiser le démon qui règne sur leur pays, sur leur territoire, leur continent, où vous avez mis votre autorité. Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement, mais en démonstration de puissance. A dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Le royaume des cieux n'est pas une affaire de paroles. Vous passez votre temps à chanter, vous êtes devenus des pharisiens. Sachez que les pharisiens chantaient les chants à l'Éternel. Quand on dit bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, c'est pas un chant chrétien, c'est un chant hébreu. Vous allez remarquer que dans ce chant, il n'y a même pas Jésus. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Le Seigneur là-bas, chez eux, c'est l'Éternel des armées. Ils ne connaissent pas Jésus. Hein? C'est un chant hébreu. Alors, donc, eux aussi, ils chantaient comme vous. Ils récitaient. On dit Jésus, en Luc chapitre 4, il est rentré dans la synagogue. On dit, on lui a remis quoi? On lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Et ils lisent aussi la Bible. Mais quelle est la différence? Jésus parlait avec autorité. Il chassait les démons. Il chassait les maladies avec autorité. Il faisait des miracles que personne n'a fait et personne ne fera sur la terre. Et là-bas, si vous pouvez comprendre mon message, vous êtes des dangereux. Je dis, vous êtes des dangereux, mais vous ne le savez pas. Évangéliste, ange, Stéphane Kofo, bien-aimé du Seigneur, évangéliste de gloire qui nous rejoint. Nous sommes des dangereux, les Illuminatis, c'est des démons Illuminatis. Attention, hein, ils sont dangereux, ils tuent les gens, il y a des chrétiens. Les sorciers vont vous tuer, hein, vous faites pitié de vous là, mon œil, vous ressemblez à Cloaba. Cloaba dans laquelle on fait des déchets. Vous êtes des chrétiens, vous faites honte au christianisme. Le royaume des cieux, la Bible dit qu'ils ont fini de prier, la terre a tremblé. Ils ont arrêté Pierre et Jean. Quand on les a libérés, ils ont prié ensemble. Et ils ont dit, Père, étends ta main pour qu'ils s'opèrent des miracles. La Bible dit, la terre a tremblé. Les mouchoirs qui les touchaient guérissaient les malades. L'ombre de Pierre guérissait les malades. La Bible dit, les morts ressuscitaient. Même Etouche qui a quitté au troisième étage, qui est tombé, qui est mort. Tout le monde dit, les morts. Paul le prince dit, les vivants. Etouche est ramené en haut, vivant. Ce fut un reconfort. C'était des puissants. Quand ils arrivent dans un pays, on dit, quand ils arrivent dans une ville, on dit, tous les habitants sortent au secours, gens de Jérusalem. Ces deux gens ont traumatisé le monde entier, ils sont arrivés. Toi-même, même les voisins, ils ne savent même pas que tu es chrétien. Il dit même tes voisins ne savent même pas que tu es chrétien. Oh, bon, les Illuminatis. Il a vous montré le secret. Et c'est ce secret-là qu'il a employé dans les derniers temps, jusqu'au retour de Jésus. La Bible dit, en Exode 17, quand la main de Moïse est levée, Israël est fort. Qui est Moïse? C'est les hommes de Dieu. Qui est Israël? C'est les chrétiens. La Bible dit, quand la main de Moïse s'abaisse, Amalek est fort. Amalek, c'est qui? C'est les mystiques. Donc, à quel moment eux, ils dominent la terre? Quand les chrétiens, leurs mains baissent. Quand les mains des bergers baissent, les fidèles baissent. Quand les mains des bergers s'élèvent, les chrétiens s'élèvent. La Bible dit, ils ont voulu tuer Jésus. Mais il y a un parmi eux qui a dit, vous voyez que toute la foule le suit. Ils ont jeté les pagnes, les rameaux. Il est en train d'entrer à Jérusalem, à la fête des rameaux. Vous voyez que toute la foule est derrière. On ne peut rien.
Quand l'église s'élève, on ne peut plus rien faire. C'est vous-même qui allez les tuer. Je vous apprends que l'ange exterminateur qui était allé au temps d'Ézéchias, il est encore vivant. L'ange n'est pas mort. L'ange qui a tué les premiers fils d'Égypte, les pharaons et autres, il est encore vivant. Il attend que l'église s'élève. Tu as une autorité que tu n'utilises pas. Tu n'uses pas de ton autorité. C'est à cause de ça. Use de ton autorité. Pardon, mon frère. Pardon, ma soeur. Use de ton autorité. La Bible dit, il a tué 185 000. Non, cette armée est plus puissante que la nôtre. Elle est plus forte. Notre pays n'est pas fort pour nous libérer. Vous faites pitié d'elle. C'est pourquoi il faut des présidents chrétiens, des généraux chrétiens, des soldats chrétiens, des juges chrétiens, des députés, des maires chrétiens. Il faut des chrétiens à tous les niveaux. Vous allez voir l'ange qui a tué les soldats de Sennacherib. Sennacherib voulait attaquer Ézéchias. La Bible dit Ézéchias a prié. La même nuit, un seul ange. On n'a pas dit deux, hein. Un seul ange est parti tuer pendant que les soldats dormaient. Les soldats syriens dormaient à Syrie. Pendant que les soldats étaient en train de dormir, il a tué lui seul 185 000. On dit quand ils se sont réveillés à 185 000 morts, l'ange n'est pas mort parce que leur Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous dit Apocalypse 19, versets 11 à 16. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom était écrit. Le nom suivant était écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et la Bible dit, les armées du ciel le suivaient. Une épée sort de sa bouche. Il va frapper les nations. Il va les diriger. Oh, honte à vous, chrétiens. Chrétiens de cette année. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. La Bible est restée la même. La parole de Dieu est la même. Le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau. Le témoignage n'a pas changé. Le nom de Jésus, l'autorité, la foi n'a pas changé. C'est vous qui avez changé. C'est nous qui avons changé. C'est vous, chrétiens, qui humiliez le Seigneur. Et on a l'impression que les Rosicristiens sont forts. Les Illuminati sont forts. On n'en fera qu'une bouchée, comme a dit Josué et Caleb. Il dit cela, on n'en fera qu'une bouchée. Les habitants de Canaan sont grands détails. Ils vont nous tuer. Les autres ont rendu leur rapport, les 10 autres. Ils ont eu peur. Mais Josué et Caleb dit, le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, le Dieu qui nous a fait sortir des maquis, des boîtes de nuit, de la cigarette, de l'impudicité, de la drogue, de l'ivrognerie, des tatouages. Ce Dieu-là, il nous fera prendre ce pays. Ses habitants ne seront qu'une bouchée. Oh, Gédéon, tu battras les Mandianites comme un seul homme parce que je suis avec toi. Tu les battras. Ils étaient 132 000. Le moment où il y a collé les 132 000 là, comme si c'est un seul homme que tu frappes, comme si c'est un enfant. Pourquoi? Parce que je suis avec toi, je suis ta force et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une force, dans ma version le français courant, une force. Et Paul dit à Timothée, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, de force, un esprit d'amour, de maîtrise de soi, un esprit d'autorité. Où est votre autorité? Où est ton autorité? Je vous pose la question, chrétien. Vous chantez, vous lisez la Bible. Vous faites des séminaires, des croisades. Où est votre autorité? Quand la main de Moïse est levée, quand l'autorité, le bâton dans sa main est levé, son bâton de berger. David dit, l'Éternel est mon berger. Tu es un berger, même si tu n'es pas pasteur. Tu es chrétien, tu es fidèle. Tu es saint fidèle, même si tu t'es converti hier. Il y a un bâton qui t'est donné lorsque tu sors de l'eau. Dès que quelqu'un en Christ, il est une nouvelle. Dès qu'il est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes nouvelles. Toutes choses sont nouvelles. Elles sont nouvelles. Où tu as mis ton autorité au travail? Où tu as mis ton autorité à l'école? Où tu as mis ton autorité dans ton entreprise? Ou dans l'entreprise où tu es? Où tu as mis ton autorité dans l'immeuble où tu habites? Dans la cour commune où tu habites? Dans le coin où tu habites? Le quartier, la commune, la ville, le pays, le royaume? Où as-tu mis ton autorité? Dans le train, dans l'avion, le métro, dans le bus, dans le véhicule? Dans la rue, dans les rassemblements publics, au marché. Où avez-vous mis votre autorité? Où avez-vous mis votre autorité? Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, ni en beaux chants, ni à visiter les cultes, à chauffer les bancs. Le royaume des cieux consiste en puissance et en démonstration de 1 Corinthiens 4, 20. Le royaume des cieux consiste en puissance et non en paroles vaines, en paroles inutiles. Je vais terminer par mon message. Le passage qu'on a pris, Matthieu 4, 1 à 11. Satan a tenté Jésus dans le désert, mais Jésus a répondu à la parole. Satan n'est pas parti. N'oubliez jamais, c'est mon mot de fin. Tu as à connaître la Bible, tu as à réciter la Bible. Tu ne peux pas vaincre le diable.
Jésus a dit, il est écrit, Satan n'est pas parti. Il a tenté Jésus pour la deuxième fois. Jésus a dit, il est écrit, Satan n'est pas parti. Mais regardez bien le verset 10. Cette fois-ci, Jésus a usé de son autorité. Va-t'en, Satan. Arrière de moi, Satan. Cette fois-ci, avant de parler, il a menacé le diable. Matthieu chapitre 4, verset 10. Arrière de moi, Satan. La Bible dit, le verset 11, cette fois-ci, le diable quitta. Faut réciter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Faut aller à l'église tous les jours. Si tu veux porter tricot, l'Éternel est mon berger. Si tu veux faire dîme, faut faire offrande. Mais tant que tu n'uses pas de ton autorité, Satan ne va jamais te quitter. Les mystiques ne vont jamais te laisser. Les marabouts, les féticheurs, les sorciers ne vont jamais te laisser. Ils ne vont jamais te laisser. Jésus a répondu par la parole, ça n'a pas chassé Satan. Il a répondu par la parole. Mais quand au verset 10, Matthieu 4, 10, quand il a dit, va-t'en, arrière de moi, la Bible dit le verset 11, cette fois-ci, le diable quitta. Cette fois-ci, le sorcier le quitta. Cette fois-ci, le mystique le quitta. Cette fois-ci, le marabout le quitta. Cette fois-ci, la mort le quitta. Cette fois-ci, la maladie le quitta. Cette fois-ci, les flèches qu'on a tirées sur lui, ces flèches le quittaient. Au nom de Jésus. Vous devez apprendre à user de votre autorité. La sirène des eaux ne va jamais vous quitter. Esprit de séduction, convoitise. Mami Wata qui bloque tout. Elle ne va jamais vous quitter tant que vous n'usez pas de votre autorité. Le mari de nuit, la femme de nuit va toujours coucher avec vous. Tant que vous n'usez pas de votre autorité pour le chasser. L'esprit de mort va toujours vouloir vous tuer. La maladie est l'ombre de la mort. La maladie, c'est l'ombre de la mort. Ça touche tant que vous n'usez pas de votre autorité. Pour chasser la mort. On dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Il cria d'une voix forte. Jésus cria d'une voix forte. Matthieu 11, verset 44. À partir du verset 40 à 44 à 48. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Lazare, sors! Avec autorité. L'esprit de colère ne va jamais vous quitter. Tant que vous ne le chassez pas avec autorité. L'esprit de sorcellerie ne va jamais vous quitter tant que vous ne le chassez pas avec autorité. La situation va toujours perdurer quand vous n'allez pas la chasser avec autorité. Vous serez dans la barque en péril par le vent, la tempête, tant que vous n'utiliserez pas votre autorité. Quand il s'est levé, il dit « Où est votre foi ?» Ça veut dire « Où est votre autorité ?» Vous n'avez pas besoin de me réveiller. Où est votre autorité ? Ton argent va toujours manquer. Ta main sera toujours percée tant que tu ne menaceras pas avec autorité le démon. Où est ton autorité? Écoutez, une femme à Koumansi. Koumansi, c'est une commune qui forme la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire qui est en Afrique de l'Ouest. La capitale économique s'appelle Abidjan. Elle est constituée de 10 communes. Les 10 communes forment la ville d'Abidjan. Une femme à Koumansi est venue me voir. Elle dit, c'est moi qui livrais de la tchéké. Voilà. De la tchéké, c'est les Africains qui connaissent bien de la tchéké, qui livraient de la tchéké aux vendeurs de la tchéké, que nous on appelle ici communément les garbaman. C'est moi qui livrais les paniers, mon camion garé, je suis tombé, je n'ai plus rien, pasteur. Et j'aimerais que tu viennes prier pour moi. J'ai dit, bon, ok, je vais arriver chez toi à la maison. La pauvre maman se préparait à ouvrir son petit panier. Vous savez, les mamans, elles ont une manière de mettre l'argent dans le bout du panier et puis attacher. Quand il a vu qu'elle était en train de détacher pour me donner le transport pour aller chez elle, à commencer, moi, je suis à Makori, à l'époque, chez mes parents, Makori Terminus. Aujourd'hui, je suis marié depuis 2004 et aujourd'hui, j'habite au Ramblin. Depuis 2011, je suis au Ramblin, Makori. Donc, j'étais à Makori chez mes parents et je n'étais pas encore marié. Elle voulait me donner le transport pour aller dans l'autre commune où elle est à Koumansi. J'ai dit, maman, il faut garder ton argent. Je vais venir à mes pasteurs. Indique-moi. Elle dit, tu descends au premier feu de Sojefia. Koumansi, quartier Sojefia. Tu descends au premier feu et puis tu m'appelles. Je suis arrivé, j'ai vu la maison. La maison était vraiment délabrée. Je me suis rappelé que j'ai l'autorité de Dieu, de Christ en moi. Et que Jésus a maudit un figuier, il est devenu sec. Il a parlé au vent, le vent est devenu calme. Il a parlé à la mer. Silence! C'est devenu calme. La Bible dit, ils ont dit, qui est cet homme-là? Il donne même des ordres au vent et à la mer et il lui obéit. Qui est cet homme qui marche sur l'eau? Il est vraiment le Fils de Dieu. Et il a dit en Jean 14, le verset 12, vous aussi, si vous croyez en moi, si vous avez mon esprit, si vous avez la foi, vous ferez les mêmes choses que j'ai fait et vous en ferez de plus grandes. Je me suis rappelé que l'arbre
n'a pas des oreilles, mais l'arbre a entendu Jésus. Le vent n'a pas des oreilles, mais le vent et puis la mer ont entendu Jésus. Alors moi aussi, j'ai parlé, j'ai dit, donnez-moi l'huile. On m'a donné l'huile. J'ai pris cette bouteille d'huile. J'ai regardé la maison. Tout le monde me regardait. J'ai dit, maison, tu as des oreilles. Parce que Jésus m'a appris que l'arbre a des oreilles. Il a parlé à l'arbre. L'arbre est devenu sec. Ça veut dire, ça l'a entendu. Si ça est devenu sec, ça l'a entendu. Maison, vomis ce que tu as volé à cette femme. Vomis tout ce que tu as enterré à cette femme. Mur, tu m'entends? Je parlais à la maison comme si je parlais à une personne. Parlez à votre situation avec autorité au nom de Jésus. Vous verrez la puissance du Saint-Esprit assujettir la situation à la vôtre. Au nom de Jésus, pour la soumettre à la vôtre, à votre décision. Matthieu 18:18, nous sommes le trône de Dieu. Tout ce que vous permettrez sera permis. Tout ce que vous interdirez sera interdit. Là où deux, trois sont assemblés, je suis là. Et ce que deux rois demandent en mon nom, cela leur sera accordé. Masakalabantacha. Jésus a réservé le vin. Le meilleur vin pour la dernière heure. Nous, les derniers chrétiens, on doit expérimenter le meilleur vin. La gloire, la grâce, la coupe de miracles, de signes, de prodiges extra, supra, extraordinaire. Qui dit amen et il verra la gloire de Dieu. Alors j'ai dit, maison, vomis ce que tu as volé à cette femme. Je te l'ordonne, vomis ce que tu as volé à cette femme. J'ai versé lui la tête trois fois au nom de Jésus. Toute la famille dit amen. Toute la famille a répondu amen. Après ma prière, Dieu m'a démontré qu'il est dans sa parole. Un mois, deux mois, trois mois, ouverture, une de ses filles allait en France. Elle a fait un mois, deux mois, trois mois, elle a amené 300 000 à sa maman. Elle a amené écran placement. Je vous parle des années où il n'était pas encore marié, en bas de 2004, en bas là-bas. Elle a donné 300 000 à sa maman. Quand tu t'envoies à sa maman, son teint a changé, split. La maman a commencé à faire location de bâches et chaises dans le quartier de Sojefia. Il ne dit pas son nom, sinon tout le monde la connaît. Comment c'est Sojefia? Elle a commencé à faire location de bâches. Elle qui n'avait rien, qui voulait me donner transport. Il a dit, maman, laisse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Je me suis appuyé sur la parole. J'ai compris que les choses ont des oreilles. Parle à ta maladie, parle à ta stérilité, parle à ton blocage, parle à ton célibat, parle à ton blocage de voyage, parle à ton blocage de travail, parle, menace, menace. La Bible dit Jésus menaça la fièvre. Il ne faut pas parler comme si tu as peur. Dans l'armée, on parle à l'autorité. Sergent, rompez! C'est comme ça, parle. On dit, qui est cet homme? Il parle même avec autorité au démon et il lui obéit. Jésus disait au démon, tais-toi et sors. Tais-toi et sors de lui. Sors et ne reviens plus jamais. De l'enfant épileptique, il a dit, sors de lui et reviens plus jamais. On n'a plus entendu parler que l'enfant, il était épileptique. Ordonné, celui qui ordonne à la colline, lève-toi et va te jeter dans lui. Ordonné, donnez-le un point de chute. Quitte-moi et va dans la mer, quitte-moi et va dans la Bible. Quitte-moi et ne reviens plus jamais. Vous avez l'autorité, une autre femme. Bon, il a dit le nom même. Pour que c'est Maman Apo. Elle s'appelle Maman Apo. Vous partez à commencer Sojefia. Dans le quartier, premier arrêt de bus. Demandez après Maman Apo. Sa fille est partie en France. L'ouverture est venue. 300 000. Écran plasma split. Elle a commencé à faire location de bâches et chaises. C'est Jésus qui fait ça. Mais il a fait quoi? Il a usé de mon autorité. J'ai parlé à la maison. Il y a une autre femme, Madame Niapoua. Elle, j'ai rendu le témoignage hier. Pendant que je prêchais. Si vous voyez mon message d'hier. Mon message hier. À la prière de commencer, vous allez voir. Son mari l'a laissé, deux enfants, ils sont malades. Elle n'a rien à manger. Sa belle-mère lave linge. Elle verse l'eau sale dans ses yeux. Elle souffre. Son mari a plein de maisons. La maîtresse a pris son mari. C'est la maîtresse qui encaisse. C'est moi, elle lui donnait 1000 francs pour manger. Je causais elle à la maison familiale jusqu'à 1h du matin. Il a dit, tiens, 1000 francs. Elle dit non. Il a dit, tiens, moi, je suis chez mes parents. Tiens, tu as mangé. Il m'a au commissariat, 9e arrondissement. On attend le dernier waro qui passe à 1h. Et puis je paye. J'ai dit, il faut partir. Mais un jour, je me suis assis, j'ai pris Matthieu 18:18. J'ai dit, les sorciers et les magiciens croient en leurs livres. Pourquoi nous, on ne croit pas en nos livres? La parole de Dieu est la vérité. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Alors j'ai pris celle qui l'a amenée chez moi, elle et puis moi. Celle qui l'a amenée, elle et puis moi, on est trois. J'ai ouvert la Bible au milieu, on a formé un triangle. La vraie sorcellerie, c'est les chrétiens qui les manifestent. Nombre 23:23. La sorcellerie et ses pratiques ne peuvent rien d'Israël. C'est nous, on est Israël. On est les vrais juifs. On est au-dessus des juifs. On est au-dessus de...
On est au-dessus même des marabouts, des féticheurs. On est des vrais juifs. On est en tête. Après, nous viennent les juifs et puis les autres. Eux, ils connaissent Dieu par Abraham, Isaac et Jacob. On est les vrais juifs. On connaît l'autorité de Dieu, la grâce de Dieu, le pouvoir de Dieu. Alors, on a commencé à dire, Seigneur, voilà ta parole. On a ouvert la Bible. On a formé un triangle par nos mains. On a commencé à prier. Seigneur, son mari, il a laissé. Il a laissé une autre encaisser les maisons ici en Côte d'Ivoire. Il est allé en France. Il a laissé ta servante. Les enfants sont malades. Elles souffrent. Seigneur, tu dis, là où deux ou trois sont assemblés, tu es là. Ce que deux ou trois demandent, leur sera accordé. Et tu as dit, ce que vous permettrez sur la terre sera permis. Oh Seigneur, sur la base de ta parole, Matthieu 18 à 19 à 20, 21. Seigneur, voilà ce que tu as dit. Pendant qu'on était en train de parler, son portable a sonné. Et devinez, c'est qui l'appelait, son mari. Après combien d'années, il n'y avait pas de réseau. Voilà la pauvre femme, elle me dit c'est lui. Et puis elle court dans la cour, elle va au salon, elle cherche un angle où il y a réseau. La parole de Dieu est la vérité. L'apôtre Pierre dit, j'ai péché toute la nuit, j'ai rien pris. Mais sur la base de ta parole, je vais jeter mon filet. Sur la base de ce que tu dis, la parole de Dieu ne choue jamais. La parole de Dieu ne ment pas. Les magiciens croient en les livres de sorcellerie. Pourquoi pas vous, chrétiens? Ce que vous avez là, c'est l'épée du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Mais où est votre autorité? On a commencé à menacer. J'ai appelé l'esprit de son mari. Reviens prendre ta femme. Il a commencé à appeler. J'ai plus vu cette femme. Et j'ai commencé l'église en 2007. En 2007 à Makori, quartier Farem, derrière le 9e arrondissement de police. Farem, c'est un quartier qui est collé à notre quartier Snap, aujourd'hui appelé Snap. Les deux quartiers sont Nyanzoa 1 et Nyanzoa 2. Je ne sais plus qui est 2, qui est 1, mais c'est le quartier Nyanzoa. Comme ça, c'est séparé par deux jardins. Il y a Nyanzoa 1 et il y a Nyanzoa 2. Et vous voyez, le Seigneur a fait un miracle. Pendant qu'on a commencé l'église en 2007, voilà une belle femme qui me regarde, qui me sourit. J'ai dit dans mon cœur, c'est la sirène des eaux. Elle est venue m'attaquer. Pourquoi la femme me regarde, elle sourit? Quand le culte est fini, on dit, elle veut me voir. Elle dit, ah bon, la sirène des eaux a gros cœur, elle veut me faire tomber forcément. Et voilà que la femme est venue, elle dit, tu te rappelles de moi? J'ai dit, non, elle dit, je suis Madame Niapoa. Cette femme qui venait, ses deux enfants qui venaient, tu priais pour elle, c'est moi. Mais comment ça s'est passé? Elle dit, mon mari est revenu, il m'a doté, il m'a donné une maison au Ramblin et il m'a donné la clé d'encaisser toutes les maisons. Il m'a donné la clé d'encaisser toutes les maisons. Et voilà le miracle. Quand on a commencé à prier, il m'a appelé, il n'a pas pu me joindre. Après, quand la prière est finie et que tu nous as libérés, il a pu me joindre. Il dit, tu es vraiment ma femme, que j'étais en Europe, en France. Une femme, quelqu'un m'a arrêté dans les rues d'abord, un homme. Il dit, tu as laissé ta femme en Côte d'Ivoire, va la prendre. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je me suis dit que c'est toi qui as payé quelqu'un pour qu'il me dise ça. Tu as appelé un de tes cousins, tes frères. C'était trop téléphoné, donc je n'ai pas cru. Mais quand je suis allé au nord de la France, je ne crois pas que tu puisses connaître quelqu'un là-bas. Parce que là où il était caché. Une femme m'a arrêté. Elle dit, Dieu dit, tu as laissé ta femme en Côte d'Ivoire et tes enfants, va les reprendre. Il dit, c'était trop pour moi. Il est revenu, il a redonné maison. Écoutez, elle me payait la dîme d'une seule maison, 20 000 par mois. Une seule maison était 200 000 francs CFA, calculé en euros, calculé en dollars, ça fait combien? 200 000 francs par mois. Elle dit, c'est ton ami pasteur qui dort là-bas. Il dit, tu as un ami pasteur, il s'appelle Shadrach. Il dit, oui, elle le connaît. Elle dit, voilà, la maison que Shadrach loue là, 200 000 par mois, c'est une seule maison. Elle me paye la dîme d'une seule maison. Oh, payez vos dîmes au pasteur. Payez votre dîme. Un vrai enfant, c'est celui qui paye sa dîme à son père spirituel. La seule chose qui montre que tu es mon enfant, c'est quand tu me payes ta dîme. Sinon, tu écoutes tous les autres pasteurs, tu crois en tous les autres pasteurs, tu suis les vidéos. Mais ce qui montre que celui-là est ton père, c'est quand tu payes ta dîme. Payez vos dîmes. Les hommes de Dieu ne travaillent pas. C'est la dîme. Il dit, apportez dans ma maison. Moi, Dieu, je dis, apportez dans ma maison toutes les dîmes et vos offrandes. Pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de mes serviteurs, celui qui retient la dîme est un criminel. C'est un voyou, c'est un assassin. Payez vos dîmes et vous vous en sortirez bien. Il est venu. Un jour, il prêchait au foyer des jeunes. Et puis, j'ai rendu témoignage. Je prêchais au foyer des jeunes. J'ai rendu témoignage. J'ai dit, il y a une voiture qui arrive pour quelqu'un. C'est qui? Personne ne lève la main. J'ai dit, il y a une voiture qui arrive pour quelqu'un. Ça ne va même pas durer dans ce temps. C'est elle encore, Madame Niapoa. Elle a levé ses mains. Elle dit, mon mari m'a dit, une voiture arrive dans 3 jours au port d'Abidjan. Acclamons Dieu pour sa grâce sur la vie de ses serviteurs qui ouvrent le ciel sur la vie des gens. Tous ceux qui croient que je suis un homme de Dieu, dites amen fort. Vous aurez un témoignage dans les 3 jours, dans les 3 semaines qui viennent. Tous ceux qui croient que je suis un homme de Dieu, dites. J'ouvre le ciel de mariage, de déblocage, de fécondité, de travail, de promotion, de voyage, le ciel de guérison, de délivrance, de déménagement, de promotion, de gloire sur votre vie. Madame Niapoa est devenue riche. Le monsieur l'a mise dans une de ses maisons au Ramblin.
commencé à côté de la pharmacie Kaira. Ma fille Marceline, qui est chante à l'église au Temple du Lion 1, ma fille Marceline, qui est morte depuis 2001, elle peut témoigner. Vous voyez, vous tous qui croyez que je suis vraiment un homme de Dieu, dites amen fort. Vous allez voir dans les 3 semaines qui viennent, dans les 21 jours, vous allez avoir un miracle. Si vous croyez que je suis un homme de Dieu, dites amen fort. Vous allez voir, votre témoignage va venir. Dites amen fort, votre témoignage va venir. Personne ne pourra caler votre témoignage. Personne ne pourra bloquer votre bénédiction. Dites amen fort, vous allez voir. Personne ne pourra bloquer votre bénédiction. Cette femme-là a été bénie. Maman Apo est devenue riche quand je l'ai vue la dernière fois. La dernière fois, son thé avait changé, sa maison est climatisée, location bâche et chaise. Ma prière, en parlant au mur, a ouvert une porte. Une de ses filles allait en Europe, elle a amené beaucoup d'argent. Apo était positionné, Apo a été béni, Apo a été riche, Apo est devenu prospère. Un jour, elle m'appelait, elle dit, j'ai eu 300 000, j'arrive à être à 10 000. Vous voyez, le Seigneur est vivant, il est puissant. Payez vos dîmes à vos pères spirituels. Payez vos dîmes. Dites amen fort et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Rappelez-vous pour terminer que l'autorité spirituelle, c'est la capacité, le droit, le pouvoir légal et absolu de pouvoir maîtriser, assujettir, dominer et diriger les choses, les événements et les personnes et autres sous ordre, mandat et dépôt divin. Luc 9, 1, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le mandat divin. C'est Dieu qui donne l'autorité. D'ailleurs, même le Saint-Esprit, le diable ne peut jamais donner le Saint-Esprit. Lui-même, il est un esprit impur. Il est destiné à l'abattoir. Il s'en va en enfer. C'est pourquoi il est fâché. Il est fâché contre la race humaine. À cause de nous, pâte à modeler du sable, Dieu est venu mourir pour nous. Il a juré de nous tuer. Mais l'amour de Dieu est là. L'ange de l'Éternel campe autour de nous. Et le Saint-Esprit habite en nous. Il doit traverser l'ange. Il doit traverser le feu du Saint-Esprit avant d'atteindre le Saint-Esprit. Or, personne n'est plus fort que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la main de Dieu. La Bible dit, celui qui est en nous. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc n'ayez pas peur, la puissance de Dieu en vous. Quand vous allez chasser le diable et les Écritures, il ne va pas partir. Jésus dit, il est écrit, ça ne l'a pas chassé. Jésus dit, il est écrit, ça ne l'a pas chassé. Mais quand Jésus a dit, arrière de moi, va-t'en. Matthieu chapitre 4, le verset 10. Quand il a dit, va-t'en Satan, on dit cette fois-ci, le verset 11. Cette fois-ci, il est parti. Tu veux voir cette fois-ci, la maladie te quitter. Les esprits te quitter. Tu veux voir cette fois-ci, ta situation changer. Use de ton autorité. Jésus dit, il est écrit, Satan est là encore. Il est écrit, Satan est là. Même Satan dit à Jésus, il est écrit. Il connaît la parole, mais c'est ton autorité qui va le chasser. Il va vous donner une révélation. Lorsque vous dormez et que vous devenez lourd, les esprits arrivent, ils vous hypnotisent, ils vous paralysent. Vous ne pouvez plus bouger. Votre intelligence seule réfléchit. Mais vous regardez, vous ne pouvez plus bouger. Pourquoi? Ils ont peur de votre bouche. C'est ça pourquoi? Parce que si vous parlez, vous allez dire Jésus. L'autorité dans le nom de Jésus peut les détruire, peut les brûler. Il y a un ancien sorcier qui dit le démon qui était en lui s'appelait Bils. Il était brûlé d'un côté. C'est un chrétien puissant qui l'a chassé d'un corps en le brûlant. Et jusqu'à aujourd'hui, il est brûlé. Il dit quand les chrétiens vivent dans le péché, qu'ils meurent, quand ils sont en enfer, Satan leur montre tous les démons. Quand tu as dit je casse, tu as cassé vraiment les pieds. Satan te montre tous les démons. Et puis les démons la pleurent. Voilà, lui là, tu as cassé son œil, tu as cassé sa main, lui là, tu l'as brûlé. Un jour, un enfant était en enfer, Jésus. Il a vu un démon qui avait une seule aile. Il a demandé à Jésus, pourquoi ce démon a une seule aile? Il dit, l'autre aile a été arrachée lorsqu'un de mes enfants, un de mes guerriers, est en train de prier dans le combat spirituel. Il a coupé une aile du démon. Et le démon se promène en enfer. Il punit les gens avec une seule aile. Jésus dit, vous avez la puissance, vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager la vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont mettre des cœurs et des j'aime. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont mettre des j'aime et des cœurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager la vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager la vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager la vidéo. Je vous en prie, partagez la vidéo. Invitez vos amis à regarder. Je termine mon message. Partagez la vidéo. Payez vos dîmes. Soutenez mon ministère. Soutenez ma vision. Je suis en 3 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Moi, je suis déjà marié depuis 2004. Ma femme m'a donné 4 enfants. Elle n'est pas stérile. J'habite au Ramblais. Je paye ma maison 150 000 par mois, sans compter l'école, la nourriture, l'eau, le courant, les vêtements, les déplacements. Je me déplace seulement à 70 000. Je ne jeûne pas pour moi. Le Seigneur prend soin de moi. Je jeûne pour vous. Soutenez mon ministère. Payez votre dîme. Soutenez mon ministère.
payez vos offrandes. Je vais payer un terrain. Soutenez le ministère. Apportez votre soutien pour le terrain en décembre, le 10 décembre. Apportez votre terrain. Soutenez mon ministère. Je paye le prix pour vous. Hier, il y avait vertige. Ma fille m'a dit, c'est bon, papa, il faut descendre. Elle a eu peur. J'ai dit, non, je jeûne pour vous. Pour que vous tous qui croyez en mon ministère, votre ministère avance. Pour que votre foyer avance. Votre vie conjugale avance. Pour que vous ne soyez plus stérile, bloqué, chômeur. Vous ne soyez plus dépendant des gens, mais indépendant. Vous dépendez seulement du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Je jeûne. Pourquoi je jeûne? C'est pour vous. La semaine prochaine, il y a jeûné. Pourquoi je jeûne et prie? Pourquoi je fais les directs? C'est pour vous. Ne soyez pas ingrats. Soutenez mon ministère. Soutenez ma vision. Soutenez ce que je fais. Oui, payez les dîmes. C'est les dîmes qui montrent que vous êtes enfant d'un pasteur. Sinon, vous suivez tous les directs. Vous suivez tous les messages. Qu'est-ce qui montre que vous êtes l'enfant d'un pasteur? Quand vous lui payez sa dîme, ça montre que vous êtes vraiment son pasteur. À tous mes enfants spirituels, de loin ou de près, commencez à payer votre dîme. Soutenez votre père. Et vous tous, vous devez payer le terrain. Vous devez donner votre contribution pour le terrain. Ça aussi, c'est une marque d'autorité. La grâce de Dieu, soyez bénis. Que la main du Seigneur vous recouvre. Et sachez que tout ce que vous allez dire à Satan, il ne va pas partir. Mais quand vous allez user de votre autorité, il va partir. Va-t'en, Satan. Arrière de moi, Satan. Quitte ici. Oh, dégage. Oh, je libère le feu. Va. Calme-toi. Célibat, sors. Sérilité, sors. C'est ça. Marie de nuit, sors. Sirène des eaux, dégage. Esprit de colère, sors. Sorcellerie, sors. Quand vous allez user de votre autorité, vous allez voir la gloire de Dieu. Combien de j'aime et combien de cœur pour Jésus? Combien de j'aime et combien de cœur pour Jésus? Mon message est terminé. Combien de cœur et combien de j'aime pour Jésus? Combien de cœur? Celui que ses cœurs vont dépasser pour les autres, Dieu va le visiter. Dieu va le visiter cette semaine. Celui que son amour, son cœur va dépasser pour les autres, Dieu va le visiter. Dieu va le bénir cette semaine. Je répète, celui que ses cœurs, ses j'aime vont dépasser pour les autres, Dieu va le visiter et Dieu va le bénir cette semaine puissamment avec autorité. Que Dieu bénisse tous les jeunes à sec comme moi. 3 jours sans manger, sans boire, en ce jour béni du vendredi 27 octobre 2017. Que Dieu bénisse ceux qui ont fait à eau, ils n'ont bu que de l'eau. Et Dieu bénisse ceux qui ont fait monter et descendre. Que Dieu bénisse tous ceux qui n'ont pas la force de jeûner, mais qui aiment les enseignements. Recevez l'onction pour jeûner. Recevez la grâce de vous marier. À chaque fois que je dis quelque chose, dites Amen ou écrivez Amen. À partir d'aujourd'hui, dans ces 3 jours, sans manger, sans boire, je suis proche de Dieu par la foi, dans sa parole et dans son esprit. Recevez la grâce de vous marier. Que les portes du mariage vous soient désormais ouvertes. Que les portes de la fécondité vous soient désormais ouvertes. Que les portes du travail vous soient désormais ouvertes. Dites Amen seulement à chaque fois que je parle. Que les portes du voyage vous soient désormais ouvertes. Que les portes de la guérison vous soient désormais ouvertes. Que les portes de la délivrance vous soient désormais ouvertes. Que les portes de la bénédiction, du succès, de la prospérité, de la gloire, de l'abondance, de la coupe qui déborde vous soient désormais ouvertes. Que les portes du salut en Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, né de la Vierge et ressuscité des morts 3 jours après sa mort à la croix de Golgotha. Que les portes du salut éternel vous soient désormais ouvertes. Que les portes de l'élévation vous soient désormais ouvertes. Que les portes du succès vous soient désormais ouvertes. Celui qui dit Amen, ça va arriver dans sa vie. Celui qui dit Amen, ça va arriver dans la vie. Que la mort vous fuit. Que les sorciers soient, leur pouvoir soit brisé. Que les sorciers tombent et meurent. J'ordonne qu'il y ait un déblocage financier dans votre vie. Au nom de Jésus, d'ici les 3 semaines, j'ordonne que ceux qui vont payer leur dîme, ils recoltent au centuple de ce qu'ils vont payer de leur dîme. J'ordonne que ceux qui vont payer le terrain, qui vont soutenir d'ici le 10 décembre 2017, l'achat du terrain, du temple du lion, du terrain, soit béni, prospère jusqu'à la 1000e génération par l'autorité de mon Dieu qui est sur ma vie. Celui qui dit Amen, j'ordonne que ses ennemis soient terrassés et qu'il rentre en 2018, en 2019, quelle que soit l'année en cours, qu'il rentre en paix, en joie, qu'il rentre la tête haute. J'ordonne que ton humiliation passe, dis Amen fort. J'ordonne que ton humiliation soit ôtée, dis Amen fort. J'ordonne que ton
succès, ta réussite arrive. J'ordonne que ta gloire arrive. Au nom de Jésus, celui qui dit cette fois Amen, il verra la perfection dans sa vie, dans tous les domaines et aspects de sa vie, de son foyer, de son ministère et de ses activités quelconques. Au nom tout puissant de Jésus, dis cette fois Amen fort et acclame le Seigneur. Donne-lui des germes et des cœurs à non point fini. Celui qui va dépasser les autres dans ces choses verra la gloire de Dieu avant sa mort. Il sera rassasié de ses jours, il vivra longtemps, il sera béni, sa coupe va déborder et sa bénédiction va descendre sur des générations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom tout-puissant de Jésus par l'Esprit, j'ai prié. Amen, 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 Amen. Garde la foi et adore ton Dieu. Gloire à Jésus. Je me nomme à l'état civil, Bowie Yvon Serge. À l'état civil, pour ceux qui veulent soutenir mon ministère par Orange Money, Orange Money, plus 225 08 01 65 07. Je réponds, mon Orange Money Côte d'Ivoire, plus 225 08 01 65 07. Ceux qui veulent l'amener par Western Union, MoneyGram ou par voie RIA, etc. Vous voulez payer votre dîme. Vous voulez soutenir mon ministère. Vous voulez soutenir ma vision. Vous voulez soutenir ma vie parce que je jeûne 3 jours sans manger, sans boire pour vous, pour que vous avancez, pour que vous prospérez, pour que vous soyez délivrés, guéris, bénis et sauvés dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Vous voulez payer le terrain. Une seule adresse. Non, Bowie. Mon nom à l'état civil, c'est Bowie. B-O-H-U-I. B-O-H-U-I. Mon prénom, Yvon Serge. C'est un nom composé, il y a trait d'union. Yvon, Y-V-O-N. Y-V-O-N, tiret, S-E-R-G-E. Yvon Serge, Y-V-O-N, tiret, S-E-R-G-E. Pays Côte d'Ivoire, préfixe, plus 225. Que l'amour du Père, la vérité de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soit avec vous tous qui nous avez pris en marche, qui nous prenez en marche et qui nous prendrez en marche. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Garde la foi, ne perds jamais la foi en Jésus. Le Saint-Esprit ne te fera jamais de faux, car il suit la parole de Dieu pour l'accomplir. Soyez bénis, que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui est et qui vient pour des siècles et des siècles. Amen, Amen, Amen. On dit Amen et on acclame le Seigneur. Voilà ma force, la parole et l'esprit dans mon cœur. Mon cœur, ma bouche, mon intelligence. La parole de Dieu dans mon cœur, ma bouche, mon intelligence. Mon cœur, ma bouche, mon intelligence. Répète la parole de Dieu jour et nuit. Médite-la, même en dormant, en marchant dans les rues. À ce que Dieu a dit à Moïse, écris ma loi sur le montant des portes de ta maison. Enseigne-le à tes enfants, en mangeant, en dormant. En se réveillant, même dans le rêve, récite ma loi. Exode 20, 1 à 19. Les 10 commandements se retrouvent là-bas. Soyez bénis, shalom. Apôtre des nations. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen.